Bonjour Thibault. C'est Pépito. Le 14 d'abord, j'étais au canal là, en train de veiller. Et comme il y a un bar en face de la maison, la transition bar. Donc j'étais en train de veiller là. C'est comme ça qu'en veillant là, j'ai fait un tour à la maison. Quand j'ai fait le tour à la maison, je vois mon petit ami Adebayor. Il me dit, oh non, voilà, là où tu es en train de boire là, il y a les services. Puis ceux qui viennent de passer chez toi là-bas, ils étaient avec Ewele. Et Willy, c'est quelqu'un que tu connais très bien. Tu sais que même c'est toujours des gens qui me cherchent des problèmes ici, là, même quand je n'ai rien fait toujours, et ils m'accusent de tout et de rien. Bon, voilà. Bref, j'ai dit que, mais si les services spéciaux viennent à la maison à cette heure-ci, c'est peut-être que ça, c'est, ils viennent peut-être encore localiser la maison de Thibault pour qu'on mette sur Facebook comme d'habitude. Donc, moi, ça ne me regarde pas. Il me dit, oh grand, comment tu dis ça? Je dis, non, ça ne me regarde pas et tout. Donc, lui, je crois qu'il était de mèche avec eux. Je ne crois pas qu'il était de mèche avec eux. Parce que lui, normalement, après-midi, ça, on a continué à changer de sujet et tout, on buvait nos bières et tout, machin. C'est comme ça que le 15, il vient me réveiller à la maison, juin. Il vient me réveiller à la maison, je dormais ma petite amie dans la chambre. Oh non, viens, on va prendre une bière. Je dis que, toi depuis quand tu me donnes la bière la journée comme ça là? Qui est venu te prendre? Le petit qui m'a dit que les services spéciaux étaient à la maison dans la nuit. Ouais. Il me dit, non, viens boire une bière. Je dis que, depuis quand tu me demandes de venir boire la bière la journée comme ça là, vraiment, je suis encore fatigué à tout ce qu'on a bu hier là, vraiment. Il me dit non et tout, on va boire la bière et tout, machin. Je dis que non, je suis fatigué, il a insisté. Bon voilà, on va faire le bouillon puisqu'on a beaucoup bu hier. Il me remet 10 000. Je remets 10 000 à ma copine, on achète la sardine, on mange. Donc pour lui, il faisait les va-et-vient, il rentrait à la maison, il avait le téléphone, il était constamment en ligne, en ligne, en ligne, en ligne, en ligne. Mais je savais pas avec qui parler en fait. Mais je retiens seulement que hier, les éléments des services spéciaux qui étaient, qui étaient là hier là, par les services spéciaux, les gars qui m'ont arrêté là, il a un ami à l'intérieur. Il a un ami à l'intérieur. Et puis, donc c'est comme ça. En mangeant, ils sont venus, cagoulés et tout. Ils m'ont attrapé. Ils m'ont mis dans la voiture. Ils t'ont attrapé où? À la maison là. Dehors. Ils m'ont amené dans la route. Dehors, là, j'étais là, assis. À la maison là. Ils sont venus, ils m'ont pris. Oui. Ils sont rentrés dans la parcelle. Là, la parcelle, là, j'étais assis dehors là. Ils sont venus, ils m'ont pris. À violation de domicile. Voilà. Ils m'ont pris là, ils m'ont mis un côté ici, ils m'ont amené. Ils t'ont mis quoi? Les menottes. Les mains et les menottes d'abord. Ils m'ont pris soulevé, ils m'ont amené dans la voiture et tout. On arrive dans la voiture où ils me mettent la cagoule, après ils me mettent un sac. En dessous de la cagoule, donc je m'étouffais, je ne voyais vraiment rien. Merci. Faites ta dernière prière, là nous sommes allés. Ils t'ont dit ça? Oui. Faites ta dernière prière. Nous sommes en train d'aller te tuer. Je dis que si vraiment aujourd'hui c'est mon jour, que je vais mourir, c'est Dieu qui va décider. Si c'est pas mon jour, je vais pas mourir. Tu as quel âge toi? Je prends 34 ans dans 20 jours. Que c'est ton dernier jour de vivre, là on va te tuer. Il est en ligne. Allô, monsieur le ministre, nous sommes en train d'arriver avec le colis. Il parle à qui? Avec, je ne sais pas à qui ça décide. Il faisait, allô, monsieur le ministre, nous sommes en train d'arriver. Oui, monsieur, nous sommes en train d'arriver, nous sommes en train de rouler. On roulait. Oui, on arrive là. Préparez la salle, mettez les bistouris en place, les ciseaux, les couteaux, tout en place. J'avais peur. J'ai dit que, chef, vous partez me tuer. Il me dit que oui, on va te tuer. Après, il me dit, tu connais AP? Je dis oui, je connais AP, c'est ma grande sœur. Tu connais Maman Nia? Je dis oui, Maman Nia, c'est ma grande sœur. Tu connais La Puce? Je dis oui, La Puce, c'est mon neveu. Ils m'ont dit, tu connais Adiatis Thibault? Je dis oui, je connais Adiatis Thibault, c'est mon grand frère. Il m'a dit, mais coup de poing. Boum. Quand on va te tuer. Tu étais dedans? Oui. Il était cagoulé. Tout était cagoulé. On va te tuer aujourd'hui, là, tu vas voir, on va t'amener. On a roulé, peut-être pendant 1h30. On a roulé. De chez toi, on a roulé. Un temps, je me suis. Vers quelle heure? C'était vers un temps. Vers 15h. Un temps, je me suis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La cagoule a voulu sauter selon les choses de Dieu comme ça là. J'ai aperçu la sablière. J'ai aperçu la sablière. La ligne droite, j'ai aperçu la sablière. Il a remarqué ça. Il m'a remis la cagoule. Il m'a encore tapé encore. Il a enfoncé complètement la cagoule, il m'a mis sous la voiture directement. J'étais déjà étouffé, je ne voyais plus rien. Il dit, chef, je vais mourir. Il m'a dit que tu ne vas pas mourir puisque quand tu as trouvé, tu vas pas mourir de tout fait, puisque quand tu as trouvé en train de manger le bouillon, il y avait beaucoup de piment dedans. Je dis que je m'étouffe là, on voyait la soupe de tout fait. Oh non, mais tu n'as même pas la peine de dire que tu te souffles de tout fait, puisque là on parle là, tu vas mourir. Donc ça ne vaut la peine de parler, puisque tu parles là. On ne veut même plus écouter ta voix.
On est arrivé, on a roulé, vraiment, on a sérieusement roulé. On est rentré, je pense qu'on a dépassé une petite forêt et tout. On est arrivé, on est rentré dans une, ils ont garé un portail, ils ont klaxonné, pim, pim. On est rentré dans le portail là. Ils m'ont enlevé de la voiture, j'avais tué la cagoule. Ils ont appelé deux chiens pitbull. Les pitbull, les chiens qu'on voit à la télévision là, deux pitbull, j'étais à genoux. Les pitbull ont fait peut-être deux minutes en train de me renifler, prendre mon odeur. Voilà. Pourquoi? Après, ils m'ont amené dans la maison là, je suis rentré. Dans la maison là, quand ils sont rentrés dans la maison là, il y avait déjà, c'est une salle de torture en fait. Il y avait déjà les fouets pour me fouetter. Et ils m'enlevaient la cagoule déjà. Ils étaient nombreux. Alors c'est le berger Simon. Vas-y, continue. Ils étaient nombreux. Ils m'attendaient juste. Eux, ils m'attendaient normalement. C'est moi que tout le monde attendait là. Donc ils m'ont mis au coin de la maison là. Alors c'est le berger Simon. Ils m'ont toujours menotté. Hein? Toujours menotté. Mais sans la. Et là, ils avaient lavé la cagoule. Et ils ont encore ajouté maintenant les fils d'électricité qu'on attache les poteaux comme ça là. Les fils noirs là, ils ont maintenant serré les pieds comme ça là. Ils ont serré. Pour faire le X là. C'est voilà, pour ça, ils ont serré, sérieusement serré, le sang ne circulait plus. Hein? Donc par la suite, c'est qui? Ils ont commencé à taper. Ah bon, hein? Ils faisaient des équipes. Ah bon, hein? Oui, ils faisaient des équipes. 6-6. Ils tapaient, ils ne faisaient que taper. Tu donnes les informations à Thibaut, pourquoi? Je dis que je ne donne aucune information à Thibaut, je n'ai jamais donné des informations à Thibaut. Vu que Thibaut et moi, en somme, là, lui et moi, on ne s'entend pas très bien parce que, en fait, je supporte Oligui. Maintenant, lui, il publie les choses sur Oligui. Moi, ça ne me met pas souvent à l'aise. Oui. Parce que, déjà, Oligui est venu changer le pays et tout, je parle. Donc, Oligui, c'est son frère. Au contraire, c'est que la famille veut, c'est que Thibaut rentre travailler avec Oligui. Ils ont grandi ensemble, ce sont des amis. Et c'est comme ça que ils ont dit non, c'est pas ce qu'on va entendre. Ils ont toujours tapé. J'ai dit que vous voulez entendre quoi? On veut que tu nous dis qui donne les informations à Thibaut. J'ai dit, je ne connais pas les gens qui donnent les informations à Thibaut. Ils ont tapé encore, je dis que je ne connais pas. Je suis tombé dans les pommes, je me suis réveillé avec la Bastille toujours. Ils ont tapé. Quand je voulais taper là, vraiment, tapé. Sérieusement, tapé. Après ça, il y a un qui a pris le briquet. Il m'a brûlé les poils au pied. Il a brûlé les poils au pied là. Pendant qu'il brûle les poils au pied, il y a un qui me met à plat ventre. Il monte, un costaud, hein. Il fait comme si il saute sur moi par les reins là. Voilà pourquoi quand je pisse, les pipis ne sautent pas bien. Voilà. Il y a un qui tape aux fesses, un qui chez moi mes fesses, vous allez crier. Voilà pour qui m'ont gardé longtemps là déjà, c'est parce que je ne marchais plus, j'étais complètement mouché. Il m'a dit non, tu n'as comme Thibaut la diatiste dérange les parents des gens et on va te déranger, on va déranger sa famille, on commence d'abord par toi et après on prend maman et après maman on prend la puce. J'ai dit que non, on peut pas prendre maman. Elle n'a rien fait, Thibaut. Quand il fait ces choses-là, ça ne regarde pas maman, ça ne regarde pas la cuisse, ça ne regarde pas. Ils m'ont dit que donc tu prends la part de ta mère. On va prendre le numéro. Alors qu'il a même des parents des gens, ils ont encore tapé. Vraiment, ils n'ont jamais arrêté de taper. Le pouvoir en question, là où Kola, il est maintenant venu maintenant me taper. Maintenant, je l'appelais même papa. Il dit je ne suis pas ton père. Il tapait. C'est comme ça. Je connais pas. J'ai appris qu'on a même enlevé. C'est le petit frère d'Oligui. Oui. J'ai appris qu'on a. Il est court comme ça, il a une bague de mariage. C'est comme ça que maintenant, par la suite, il m'a dit que non, je veux seulement, si tu ne me dis pas l'information que je vais entendre, je veux toujours d'envoyer les gars te taper. Celui qui disait que taper, c'est lui, quand ils sont fatigués, ils changent de groupe, ils disent taper. Ils venaient 6-6 sur moi, 6-6-6. Et ils ne se fatiguaient pas de taper. C'est comme ça qu'après, ils m'ont mis dans la voiture. On a roulé. Mais pas roulé, la cagoule toujours, non. Ils m'ont mis la cagoule toujours maintenant. Et le ciment colle qui m'ont versé pour éviter les saignements. Ah bon, hein? Le ciment colle qu'on colle les carreaux avec ça là. Oui. Donc je suis un chien et me verse ça pour que le sang ne coule plus. Les choses comme ça, c'est pas bon. Ils m'ont versé ça. Et après, ils m'ont mis dans la voiture, on a roulé encore pendant des heures et des heures. Ils t'ont pas donné à boire de l'eau? Ils m'ont pas donné à boire. Ils sont en train de vouloir me tuer, ils vont me donner encore. Quelqu'un qu'on va tuer, on va donner l'eau à boire encore, ou bien le tuer comment? Puisque je dois mourir, pour eux, je dois mourir. C'était que des hommes ou il y avait des femmes? C'était les hommes, les costauds, les hommes là, tu ne peux pas les. Je sais pas, c'est pas peut-être même les Gabonais.
Bon, voilà. Là, maintenant, on va te péder. Ouais. Je dis que, oh, où est-ce qu'ils t'ont pédé? Je criais que je ne suis pas un pédé, je ne suis pas un pédé. Il me prend les fesses, il veut me mettre comme ça. J'ai, malgré la ménage, le ménage, je dis que non, vous allez tout faire quand même. Pas me péder quand même. On va te péder si je dis que non. On va te péder. Il y a un qui fait semblant d'enlever. Je ne sais pas si c'était le semblant ou il fait d'enlever mon pantalon. Il y avait le sang. Et il enlève ça, son truc, il va me péder. Je dis que, oh, je ne peux pas accepter que vous me pédez. Et après? Donc je vais mourir. Il m'a dit que, mais c'est ce qu'on veut depuis là, tu ne mets pas depuis là aussi, pourquoi? Ils m'ont dit que l'endroit où tu as mené là, tu reconnais ici. Je dis non, je ne connais pas ici là. Ils m'ont remis la cagoule, ils m'ont encore remis encore le sac. Et ils ont encore ajouté encore un blouson sur moi. Ils m'ont mis dans la voiture, mais l'un a mis les pieds à la tête, l'autre a mis les pieds aux côtes, l'autre a mis les pieds aux pieds. Ils m'ont bloqué maintenant. On l'a roulé. Boum. Mais je suis quand même intelligent. On est rentré. Je sais que là, on est rentré là. Ils ont enlevé la cagoule un peu, ils ont laissé une seule cagoule. Ils ont dit non. Les chefs ont dit que non. C'est quoi? La voiture ne rentre pas ici. Ils ont dit que non. Ça va rentrer. Ils sont avec le colis du patron. Qui dit ça? Les gars de la GR là. Ils ont dit que la voiture ne rentre pas ici. Ça ne peut pas rentrer. Ça, ici. C'était où? Là, c'est déjà à la DG16. Ah, c'est là où on nous a dit ce matin que. Hein, ce là matin, où maman est venue regarder le premier jour. Là ouais, où ils m'ont dit, même aujourd'hui, ils m'ont dit voilà. Ça. Voilà. Bon. Mais pas dans le bureau là où j'étais aujourd'hui. Là c'est, dans un endroit vraiment aussi pareil que la salle de la maison de la torture. Là. De t'interrompre. Le chef a dit que la voiture ne rentre pas ici. Ils ont dit que non, attends, on appelle là-bas. Ils ont appelé le colonel là. Il a donné l'autorisation, la voiture est rentrée. Ils m'ont déposé comme un chien. J'étais déjà presque mort. Ça maintenant que je suis là en cellule, je suis à 2G16. C'est comme ça qu'un monsieur me pose la question que, oh mon petit, toi tu ressembles un petit du point à Québec, hein? Je dis que oui, je suis. Les autres là, les costauds là. Ils ont déposé le colis, ils ont mis sur le colis du patron, ils sont partis. Ils ont dit que c'est comme ça que les gars en tenue là sont fâchés, que non, on est fatigué de comportement des gars là. Toujours en train de taper les gens jusqu'à tuer comme ça là. C'est ce que nous de comportement. Hein? On les interdit, ça, ils ne veulent pas comprendre toujours. Hein? Tu es gabonais, je dis que tu es gabonais. Tu es quoi, je dis sur Baba Fan. Dans la présidence. Tu es quoi, je dis sur Baba Fan. Ils t'ont pas pédé, hein? Non. Ah, Dieu merci. Ils t'ont mis le courant aux fesses. Ils m'ont mis le courant. Où? Mais aux fesses, là, ils ont qui, les. Qui? Où? Mais les gars, là, ils ont à les la pistolets. La présidence ou bien là? Là, la villa, là-bas. Mais tu n'as pas dit? Oui, ils ont les pistolets, là, quand ils te mettent comme ça, là, ça te fait. La chair est trop forte. La chair est trop forte. Vice spéciaux, je dis que chef, je vais boire l'eau. Il m'a donné un verre d'eau glacée. Il m'a dit, tu as faim? J'ai dit, non, je n'ai pas faim. Ah, ils sont gentils. J'ai envie de manger, oui. À la DGR. À la DG16, direction générale des services spéciaux. Il m'a demandé que tu veux l'eau. J'ai dit, je veux l'eau. Il m'a dit que tu as faim? J'ai dit, je n'ai pas faim. On a déjà attendu plus de 3 heures de temps, 21 heures. Il y a les gars qui disaient qu'ils tentaient de faire. Les gars qui étaient fâchés, là, qu'on m'a mené là-bas. Là. Ils étaient tellement fâchés. Ils ont dit, on va faire le 300 000 à la DGR. On ne peut pas les garder ici, il va mourir ici, là. C'est comme ça qu'ils m'ont mis dans la voiture, toujours avec la cagoule. Ils ont dit que, ah, je dis que chef, qui? Les gars des services spéciaux là, vous partez encore me tuer. Là, vous partez déjà me tuer. Ils m'ont dit, non, on ne va pas te tuer, tu es déjà en sécurité. Mm-hmm. Si, services spéciaux, tu es déjà en sécurité, on ne va plus te toucher. Les gars là, c'est des bandits, c'est ça les comportements, c'est comme ça qu'ils sont ici là. Avec les colonels là, ils passent à tuer les gens, à faire du mal aux gens, tout ça là. C'est comme ça. Qui? Biban, question. Alias Power. Hein, alias Power. C'est ça que maintenant ils ont maintenant à la DGR. À la DGR, ils m'ont déposé, ils m'ont soulevé, je ne marchais pas. Ils m'ont soulevé, ils m'ont déposé. Les gars de la DGR ont dit que non, lui là, jamais il ne rentre pas ici. Ramenez-le là, vous avez tué, on ne le prend pas. Ils ont dit que non, c'est sur les ordres. Ils ont dit que ramenez-le, peu importe les ordres. Vous, comme vous tuez là-bas, vous amenez ici là, après ça retombe sur nous, on ne nous monte pas en galant, on nous punit ici là à cause de vos comportements là. Ouais. Ils ont dit qu'ils ne rentrent pas ici là, ils ont dit que non, machin, ils ont appelé encore le colonel. Il a encore appelé, je ne sais pas qui là, ils ont dit que non, faites rentrer, on est rentré. Quand on est rentré, le chef avait tellement pitié de moi, il m'a dit que non, toi tu ne peux pas rentrer en cellule, tu dois rester là, tu dois avec nous ce soir là. Parce qu'on ne sait pas, tu peux mourir. C'est comme ça que j'ai dit que non, moi je rentre en cellule, si je reste ici, ils vont venir me chercher encore. Mm-hmm. Il m'a dit que non, là où tu es là, c'est plus la peine, moi je viens te chercher, je dis que non, chef. Je l'ai attrapé comme celui qui dépose moi dans la cellule. Je l'ai attrapé, je l'ai serré. Il dépose moi dans la cellule, il m'a déposé dans la cellule. Là-bas, ça n'allait pas bien, je suis tombé. Les gars ont cogné. On a ouvert la cellule, on m'a mené à l'hôpital de la GR. Je dis que non, il m'a mené à l'hôpital de la GR. Là-bas, ils vont me tuer parce que c'est toujours les mêmes gens de la GR. Ils m'ont dit que non, ce serait bien. On va pas te taper, on va te marcher. Je dis que ok, ils m'ont attrapé là. Les gendarmes, maintenant, ils m'ont amené à 2h du matin à la GR là-bas. L'infirmerie m'a donné un médicament qui m'a quand même fait dormir.
Je n'ai pas tu dormi. Tu as dormi là-bas hein, non, je, non, je suis venu dormir au bureau là-bas. Mm-hmm. Au bureau, le chef m'a dit, tu dors au bureau, il m'a donné le matelas. Je lui ai dit, non, moi je dors en cellule. Parce que les gars là, ils sont costauds, ils sont armés jusqu'au dedans. Toi, ils vont venir te me prendre là, tu ne peux pas les supporter. Non. C'est ce que je l'ai dit. Il m'a dit que non, la loi, c'est pas comme ça. Là. Nous, à la gendarmerie, on applique la loi à l'hôpital militaire. À l'hôpital militaire, justement, était très intelligent. Très intelligent. Qu'est-ce que je vais faire? Ils m'ont dit là, on t'a mis à l'hôpital militaire là. Ne dis rien. Dis que tu es tombé de l'immeuble. Ah, parce que si tu dis que si tu dis qu'on t'a torturé, ils vont se dire que c'est la déjà qui t'a torturé alors que tu es venu toi-même torturé. C'est comme ça que le brancardier m'a posé la question que oh, ça c'est quoi? Je dis que ah, je suis tombé de l'immeuble. C'est comme ça, là on m'a amené faire la radio et le scanner. J'ai dit que non. Il est quand même monté dans la salle du scanner. Je dis non, c'est les militaires qui m'ont tapé. Les militaires qui m'ont tapé. Il m'a dit que ah. Les militaires tapaient pourquoi? Je dis que ah, je ne sais pas, je ne connais pas quoi de mon grand frère. Le fait d'être petit frère d'un activiste veut dire peut-être que j'ai fait les mêmes choses que lui alors que ce n'est pas le cas. C'est comme ça maintenant que je suis resté, on m'a fait le scanner. Maintenant, on m'a mis dans une chambre. La chambre là, on m'a toujours dit que non, ne dis rien. On te demande toujours, tu dis je suis tombé de lui-même. J'ai dit ok, je vais dire je suis tombé de lui-même. C'est comme ça que j'ai vu un petit là, il fait TikTok, il est sur les réseaux sociaux là. Il était sur un lit. Comme ça, je dis, mon frère, si t'es pas là, je suis là, je suis entre la vie et la mort. Tout ce que tu vois là, c'est des scénarios. Tu vois les hommes qui sont tous nus là, non, oui. C'est pas mes parents. C'est ni mes connaissances, ce sont les agents, je suis surveillé. J'ai été arrêté par des gens, mon cagoule, ils m'ont torturé, voilà comment je suis comme ça là. S'il te plaît, est-ce que tu peux me faire passer un message, je te donne un numéro. C'est là où j'ai remis le numéro de l'une de mes amies. Celle-là. Je dis, fais-moi une photo, tu l'envoies ça. Tu dis, je suis hôpital militaire, mais ne dis pas si, mais je suis enfermé à déjà. Mais il ne faut pas qu'elle dise aux gens que, quand ils arrivent à déjà, il ne faut pas qu'ils font comme si je la transmets le message. Non. Elle vient comme si elle me cherchait. Mm-hmm. J'ai envoyé les images. Mm-hmm. Je ne sais pas comment ça s'est passé, les images sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. C'est comme ça que les agents sont rentrés. On m'a amené à la. Ils m'ont fait jusqu'au test du sida. Ils m'ont fait tous les examens si possible. Ils m'ont dit, non, ça va, ça va. Mais je dis, mais ça ne va pas, moi, mais je ne sens pas mon corps. Comment vous me dites que ça va? Ça se jouait dans les téléphones en haut. On comprend. Mmh. Mon colonel a dit qu'il fait comme ça, le colonel a dit qu'il fait comme ça, le colonel a dit qu'il fait comme ça. Il dit que, ah, ils m'ont fait tout un bilan complet. C'est là après, il est venu avec la syringe. J'ai dit, non, moi, tu ne m'injectes pas. Je ne connais pas le produit que tu as mis dedans. Je ne connais pas ce que tu as mis dedans. On veut me tuer. Si c'est toi qui t'as envoyé, docteur, je vais faire mourir moi-même, pas que vous m'injectez. Peut-être que vous allez m'injecter le sida. Vous allez peut-être m'injecter quoi que ce soit. Je ne connais pas. Vu qu'on écoute, c'est que les choses dehors sont bizarres. Là, je ne veux pas. J'ai pas envie que vous m'injectez quoi que ce soit. Laissez-moi comme ça. Là, je ne veux pas. À part si vous me faites un ordonnance, je peux voir les médicaments. Les médicaments sont là. Mais je ne veux même pas la perfusion. Laissez-moi comme ça, là, ils m'ont laissé comme ça, là, j'étais en cellule. On me soulevait toujours, on m'a soulevé pendant 5 jours. C'est comme ça. Je ne marchais pas pendant 5 jours. L'enquêteur en question m'a dit que, ah, toi, fais l'effort de marcher. Fais l'effort de marcher, c'est si tu es en forme qu'on pourra te libérer. Étant dans ton choc comme ça, on ne peut pas te libérer. D'abord, ton grand frère est en train de faire le spectacle et il est en train de faire un désordre total sur les réseaux sociaux. Il dit que c'est la DGR qui t'a tapé, alors que ce n'est pas la DGR, c'est les gars en cagoule qui t'ont tapé. On n'a jamais précisé la provenance du corps de ces gars-là. Jusqu'aujourd'hui là. C'est comme ça que. C'était une forêt. On est rentré encore dans la forêt. C'est après la forêt qu'est la maison là. Une grande villa. C'est comme ça que maintenant, je suis resté en cellule, je ne marchais pas. Donc c'est l'enquêteur qui m'a perdu la force. Qui boit les médicaments. Puis je dis, je ne bois même pas les médicaments parce que vous ne voulez pas que je communique avec mes parents. Vous ne voulez pas me dire pourquoi je suis ici là. Il y a que Thibaut Latis, Thibaut Latis. Mais dites-moi au fond ce que j'ai fait. Dites-moi l'information que j'ai donnée à Thibaut que vous n'êtes pas content. Dites-moi un peu.